très bon plaisir en fait. Signore, attenzione, prego, proviamo. Florence, c'est une ville musée, à ciel ouvert, une cité d'art et de génie, au singulier mais aussi au pluriel, parce qu'il y a eu des génies de l'art sur deux siècles énormes. On en connaît certains bien sûr, Vinci par exemple, mais il y en a eu beaucoup d'autres. On évoquera pour certains au cours des une ville où les églises sont des musées, c'est ça la particularité aussi, où il y a énormément de choses dans les églises, cette accumulation de choses. Mais il y a encore aujourd'hui donc des touristes qui se sentent mal, qu'il faut évacuer à l'hôpital et qu'il faut mettre au calme parce qu'ils sont pris d'une espèce de panique. Alors, je ne pense pas que vous en soyez là. En le dodo, Robert, prends le dodo, notre guide. C'est fait. C'est mon grand-père qui l'a acheté en 1922. Ah, bah très bien, bon, tradition familiale. Bravo. Il y a une grande terrasse. Et encore au-dessus, il y a une terrasse qui garde Florence pour 360. C'est très bien placé. On a deux colonnes et un fronton. Ça, on retrouve ça sur tous les temples grecs. C'est vraiment du grand classique qu'on retrouve partout. Puis après, vous avez un bâtiment Renaissance caractéristique par ses fenêtres. On appelle ça des fenêtres à meneaux.
plein la gueule pour faut avancer un peu. Oui, mais non, on va revenir. Autre chose, là. C'est la quatrième église de la chrétienté, hein, derrière Rome, Milan et Londres. Le chantier a commencé en 1296, donc 13e, sur un édifice initial. Hein, c'est comme on refait toujours la même église, une église différente, mais sur une même base. L'église s'appelait Santa Reparata. Uccello, aussi un grand encore, et ses élèves dépeignent des scènes de la Genèse. Les fresques, qui sont entièrement de la main du maître, ornent le mur mitoyen à l'église. De ton sombre, elles évoquent de gauche à droite la Genèse, de la création à l'histoire de Noé. Seules deux travées sont bien conservées. La première représente la création des animaux, celle d'Adam et d'Ève, ainsi que le péché originel. Dans la quatrième travée, le Christ en majesté, vous me posez la question de tableau. Non, c'est pas moi. Je connaissais le Christ. Là. Donc, voilà, en majesté, dans la mandorle. La mandorle, c'est le cercle sacré. Donc souvent les tourbales comme dans la mandorle. Et tu as vu ce qu'il tient dans la main gauche ? En passant par le nouveau marché où il y a une petite. Sculpture de Pulcinetto. Continuons. On parlait d'un public avec sa réserve de fruits et de légumes. À mon avis, tu vas avoir du mal. Je pensais pas que c'était si gros.